Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés. On va attendre encore 2-3 minutes maximum pour les personnes qui pourraient se connecter un tout petit peu après midi 30 et on va commencer. Alexandra, Margot, si vous êtes prêtes, peut-être qu'on peut y aller. Oui, ça marche. Impeccable. Bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à ce nouveau webinaire qui sera dédié à notre couverture d'assurance. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît? Oups, ça commence bien. Attendez, j'ai perdu le... C'est Pas de bon? problème. Non, c'est pas bon. Non, je ne crois pas. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, c'est bon. Désolée. Impeccable. Non, pas de problème, Margot, merci. Donc, aujourd'hui avec vous, vous avez Alexandra, qui est responsable du développement des propriétaires particuliers, Margot, chef des opérations sinistres, et moi-même, qui suis en charge de la communication et des relations presse. Alexandra et Margot se chargeront de la présentation, et moi, je m'occuperai des questions que je rassemblerai. Vous pouvez les poser dans le chat, et on y reviendra à la fin. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, la structure du webinaire d'aujourd'hui, on va d'abord évoquer votre assurance personnelle. On passera ensuite à la couverture d'assurance de GetAround. Ensuite, à ce qu'il se passe en cas de sinistre, la démarche à suivre, etc. Et comme je viens de le mentionner, la séance de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire dans le chat vos questions et on reviendra dessus à la fin de la séance. Je me permets juste de préciser que ce webinaire sera exclusivement dédié au sujet de la couverture d'assurance et nous ne pourrons pas traiter de cas particuliers, premièrement parce que ni Margot, ni Alexandra, ni moi-même n'avons les éléments sous les yeux aujourd'hui pour traiter ce genre de cas. Et vous avez évidemment pardon, équipe service client et sinistre qui sont dispo comme d'habitude. Voilà, je vous laisse la main maintenant. Merci. Super, merci Mathieu. Alors du coup, on commence par la question que tous les propriétaires se posent avant de commencer l'aventure sur GetAround ou dès que vous avez votre premier sinistre sur la plateforme, c'est qu'en advient-il de notre assurance personnelle en cas de sinistre sur GetAround? Est-ce que mon assurance personnelle est contactée? Non, jamais. Bien évidemment, c'est notre assurance AXA qui prend le relais pour les sinistres qui surviennent pendant les locations. Votre assurance personnelle n'est jamais mise au courant, donc votre bonus-malus n'est jamais impacté. Nous, on va vous demander d'être assuré au minimum au tiers sur votre assurance personnelle parce que c'est la loi. Chaque véhicule doit être assuré. Du coup, nous, on va juste vérifier ça au moment de l'ouverture du sinistre. On va vous demander votre carte verte d'assurance pour vérifier que vous avez bien suivi cette condition générale d'utilisation et condition d'assurance pour notre plateforme GetAround. Mais on va simplement la vérifier. C'est vraiment une vérification administrative pure et dure. On ne va pas contacter votre assurance, elle ne sera pas contactée par notre assurance. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci à se faire là-dessus. Pour ceux qui se demandaient en cas d'accident avec tiers, votre locataire, voilà, un accident avec un tiers, il va remplir un constat amiable. Donc, le petit conseil du jour, c'est bien imprimer les instructions locataires. Donc, c'est une feuille qui est disponible dans votre tableau de bord. Vous pouvez l'imprimer, la mettre dans la boîte à gants. Et comme ça, en cas d'accident avec tiers,
le locataire pourra remplir le constat amiable avec notre police d'assurance qui est indiquée sur ses instructions locataires. Et dans ce cas, il ne mettra pas votre police d'assurance. Et pour vous rassurer jusqu'au bout, même s'il se trompait ou alors parce que vous n'avez pas mis vos instructions locataires dans la boîte à gants, votre assurance pourrait être contactée par l'assurance du tiers, mais dans ces cas-là, vous inquiétez pas, dès que vous nous déclarez le sinistre, nous on le déclare à notre assurance qui va contacter la vôtre pour clôturer le sinistre chez eux et leur confirmer que le sinistre est bien géré par la nôtre. Donc non, votre assurance ne sera jamais impactée si ce n'est pour des voilà, raisons administratives. Voilà pour moi, Alexandra. Oui, ben, super. Merci Margot pour ces explications. Donc maintenant, vous savez bien que vous avez besoin de votre propre assurance, mais ça ne va jamais rentrer en jeu courant vos locations. Donc, qu'est-ce qui va couvrir donc notre assurance des guetter rentes pour vous? Donc, en premier temps, je tiens à préciser que notre assurance est l'assurance vraiment tout risque. Donc, elle couvre de nombreux types de sinistres automobiles et donc nous appliquons les termes classiques de toute assurance dans ce cas. Donc, qui couvre cette assurance? Donc, en premier temps, le locataire règle sa franchise et donc l'assurance, il règle le reste. Donc, qu'est-ce qui est couvert? Donc, dommages tous accidents, vol du véhicule. On va revenir sur ce point un peu plus tard aussi. Donc, l'incendie, dommages causés aux tiers et la responsabilité civile. Ensuite, qu'est-ce que couvre GetAround? Donc, dans ce cas-là, ce qui est important de garder en tête, donc, le locataire, il n'a pas de limite de franchise, mais il devra payer le montant total de réparation dans ce cas. Donc, le GetAround couvre même si le locataire, il n'a pas d'argent. Donc, si le locataire, il n'est pas solvable, donc, nous faisons une avancée de fonds au propriétaire. Et dans ce cas-là, c'est ce qui est couvert, c'est la crévasion, donc, sauf la politique qu'on va vous détailler plus tard. Donc, erreur de carburant, dommages intérieurs et perte ou casse de clés. Et donc, le dernier point qui reste, c'est qu'est-ce qui couvre donc, l'assistance routière. Donc, quand vous avez une panne ou accident courant pendant la location, donc c'est ce qui est couvert et le remorquage jusqu'à le garage le plus proche. Donc le locataire, elle est raccompagnée à son domicile ou à sa destination en fonction de où il doit aller. Et donc et aussi c'est ce qui est couvert, c'est le trajet du propriétaire pour aller récupérer son véhicule et donc c'est aussi pris en charge. Et ensuite, Margot va vous détailler du coup qu'est-ce qui est couvert par des GetAround dans les cas un peu spéciaux. Voilà, merci Alex. Du coup, cas particulier, les crevaisons. Donc, comme toutes les assurances, la nôtre ne couvre pas les consommables. Donc, consommables, bah, c'est tout ce qui est consommé pendant le roulage du véhicule, donc les freins, les pneus, etc. Bien évidemment, vous restez couvert pour les crevaisons. C'est juste que, comme l'a dit Alexandra tout à l'heure, le locataire n'aura pas de limite de franchise. Il va devoir payer le montant des réparations. Et donc, la franchise ne rentre pas en compte. Et donc, nous, sur GetAround, on a une politique qui dit que si donc il y a de la crevaison sur un pneu, et donc ce pneu est remboursé à 100% à la charge du locataire. Parfois, il n'y a pas besoin de changer le deuxième pneu parce que le pneu est assez récent. Du coup, il n'y aura pas de problème d'équilibre avec le nouveau. Par contre, quand ce n'est pas le cas et qu'il faut changer les deux pneus pour des raisons d'équilibre, le locataire aura à sa charge du coup 100% du remplacement du pneu qui était crevé et 50% du deuxième. Donc, en gros, sur la facture, le locataire va payer 75% de la facture et vous aurez à votre charge les 25% restants. Ça a été mis en place parce que dans une idée d'autopartage, dans ce cas, les propriétaires ont du coup deux super nouveaux pneus. C'est normal qu'il y ait une petite participation du propriétaire dans ces cas-là. Cas particulier numéro 2, auquel on ne pense pas forcément parce qu'en plus, c'est vraiment un sinistre très rare sur la plateforme, c'est l'erreur de carburant. Parfois, le locataire peut mettre du diesel à la place du sans-plomb et vice-versa. Il y a deux raisons pour cette erreur. C'est soit que la voiture est un peu ancienne, du coup, il y a
y a pas encore, y avait pas encore à l'époque les insignes sur le réservoir ou sur la trappe carburant. Donc, soit c'est une erreur locataire, soit parfois c'est une erreur propriétaire. Donc là, petit conseil, attention en décrivant votre véhicule sur la plateforme, de bien mettre le bon carburant. Parce que, pour rappel, le locataire, lui, pendant sa location, il a accès à sa page de location avec des petites informations de bien remettre du carburant avant la fin de location, etc. Et on leur rappelle, du coup, le carburant à mettre dans le véhicule. Donc, si le propriétaire s'est trompé et a mis le mauvais carburant, du coup, ça induit le locataire en erreur. Et dans ce cas, le locataire ne serait pas tenu responsable. Mais bon, du coup, ça, c'était pour les petits tips. L'assurance, pareil, ne couvre pas la négligence du conducteur. Donc là, on considère, enfin, l'assurance considère que l'erreur de carburant, c'est une négligence. Mais bien évidemment, comme pour la crevaison, vous êtes couvert. Pareil, le locataire n'a pas de franchise, il va devoir régler le montant total des réparations. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop comment ça se passe, une erreur de carburant, c'est dans la majeure partie du temps pas très grave. C'est soit le locataire qui s'est trompé de carburant qui va tomber en panne les quelques kilomètres suivants, soit si c'était en fin de location, ce sera votre locataire suivant, ou alors vous-même en utilisant le véhicule. Mais en général, voilà, vous êtes au courant de cette erreur via une panne. Et dans ce cas-là, ben, remorquage, assistance, et en général, c'est juste une vidange à faire. Parfois, dans vraiment de très rares cas, il y a les injecteurs à changer, mais tout ça, bien évidemment, vous nous envoyez un devis, on le vérifie, on le valide, vous faites la vidange, les réparations, et nous, on vous rembourse sur facture sans problème. Autre cas particulier, le vol du véhicule. Donc lui, bien évidemment, il est couvert par l'assurance. Également, il est encore plus rare que les erreurs de carburant. Et donc, on a deux types de vols. Donc, numéro un, le locataire s'est fait voler le véhicule pendant la location. Donc, en général, il va vous prévenir. Donc, vous, dès que vous êtes prévenu, il faut déposer plainte dans les 24 heures qui suivent et nous déclarer le sinistre. Nous, à partir de là, on a une équipe répression des fraudes qui va pouvoir faire son enquête, parce que si vous avez le boîtier Connect dans le véhicule, l'avantage, c'est qu'on a la géolocalisation du véhicule. Donc, notre équipe fraude peut être en rapport direct avec la police pour partager ce genre d'informations en cas de vol uniquement, bien sûr. Et donc, pareil, nous, on va déclarer le vol à notre assurance qui, elle-même, va mener son enquête pour d'abord essayer de retrouver le véhicule. Et si le véhicule n'est pas retrouvé, et ben là, c'est la procédure habituelle. J'espère que vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce genre de choses, mais la procédure normale, standard des assurances. Donc, ils vont vous demander tous les documents d'entretien de votre véhicule, les récentes réparations, etc., pour que l'expert puisse définir la valeur actuelle du véhicule. Donc ça, c'est vraiment la procédure type. Et si votre véhicule est âgé d'un an ou moins, la valeur à neuf vous sera remboursée. Donc, il faut avoir des nouveaux véhicules. Non, je rigole, pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est un cas, bien sûr, très rare, mais on est très transparent avec vous pour que vous ayez, voilà, plus de doutes en tête sur tous les cas possibles et imaginables qui pourraient arriver à votre voiture. Dans un second temps, le locataire a pu voler lui-même le véhicule. Donc ça, c'est encore plus rare parce que justement, notre service fraude est là pour vraiment empêcher les mauvais utilisateurs ou les utilisateurs qui ont de mauvaises intentions de louer sur notre plateforme. Mais ça peut arriver. Donc ça, dans ces cas-là, vous vous en rendez compte parce que le véhicule ne revient pas de location. Dans ces cas-là, vous nous prévenez, vous allez déposer plainte pour vol dans les 24 heures qui suivent, tout pareil, vous nous déclarez sinistre, nous on le déclare à notre assurance qui va mener l'enquête, etc. Et dans ces cas-là, on a aussi notre équipe fraude qui, elle, va essayer de traquer aussi le locataire via la géolocalisation du véhicule, etc. Pareil, en rapport avec la police. Donc, voilà, tout est fait pour d'abord retrouver le véhicule et si ce n'est pas possible, déclaration à l'assurance et procédure normale de remboursement. Encore une fois, là, on vous raconte ça pour être très transparent et que vous n'ayez plus de doutes, mais vraiment, ça n'arrive pas tous les jours.
Et dernier cas particulier, enfin ce n'est même pas un cas particulier, c'est ce que ne couvre pas notre assurance et ce que ne couvre pas GetAround, c'est l'usure normale du véhicule, comme vous pouvez vous en douter. Pour savoir ce qui est l'usure normale, on part du principe que ce genre de dommage, vous arriverait à vous-même si vous rouliez avec le véhicule parce que ben, voilà, la route a des aspérités et c'est normal qu'il y ait des petites projections sur le bas de caisse, sur les bas de pare-chocs, etc. Donc, on a certains types de dommages qui ne sont pas des dommages, par exemple des traces de saleté ou par exemple si vous regardez les photos de restitution des véhicules en location connect, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des rayures et en fait, l'équipe sinistre va vous dire, avez-vous essayé de nettoyer le véhicule? Et quand vous allez le nettoyer, les rayures vont partir parce que parfois c'est vraiment superficiel. Si ça part pas au nettoyage, ça peut partir au polish, donc au polissage. Ça, c'est des bidons qui s'achètent un peu en station essence, chez Noroto, ce genre de choses. Et c'est très bien à avoir en cas de location parce que bah, c'est beaucoup plus rapide plutôt que d'aller constater à un garage qu'en fait, il suffit juste de passer un coup de chiffon dessus. Voilà, les petites rayures, les impacts dus au roulage hein, du véhicule. Les tout petits impacts pare-brise qui ne sont pas dans le champ de vision et qui ne touchent pas à la sécurité du véhicule. Voilà, tout ce petit genre d'impact sur le véhicule qui vous arriverait à vous, en fait. C'est, le locataire n'est pas responsable, il n'est pas rentré dans un mur, il n'a pas fait une rayure, ce n'est pas un tiers qui lui a fait une rayure, c'est vraiment en roulant, la voiture, elle s'use, c'est normal. Les utilitaires, encore plus que les autres, parce ils transportent en général des objets de grande taille. Voilà, c'est souvent pour des déménagements, etc. Donc les utilitaires, eux, souffrent plus de l'usure rapide. Mais voilà pour ce qu'on ne couvre pas. Et Alexandra, je te laisse pour la suite. Merci beaucoup pour cette présentation, Margot. Donc, maintenant, vous avez tous les éléments clés, en fait, de ce qui est couvert par notre assurance, ce qui est couvert par GetAround, comment fonctionne votre assurance à vous. Et donc, maintenant, on va vous expliquer, du coup, quelles sont les étapes à suivre quand ça vous arrive d'avoir une sinistre ou un dommage courant vos locations sur GetAround, parce que dans l'activité de location, dans les cas comme dans la vie personnelle, quand vous prenez le volant, il est possible que vous avez l'accident et donc vous avez le dommage et ça peut arriver effectivement pendant des locations. Donc le slide suivant. Et en premier temps, donc le sinistre peut être découvert par les moyens différents en fonction de votre situation. Donc, soit c'est le locataire qui vous informe du dommage parce qu'il a découvert courant de location à la fin de la restitution, il voit qu'il y avait une rayure importante, donc il vous informe via l'application. Soit c'est l'assistance routière quand le véhicule est en panne qui vous informe du remorquage. Ensuite, vous avez deux cas en fonction de votre type de location. Donc, comme vous le savez, on a soit de location avec la technologie Connect, soit de location qui sont faites quand vous rencontrez vos locataires en échangeant des clés. Dans le cas quand les locations sont faites avec le dispositif Connect, donc vous découvrez du dommage par vous-même généralement via les photos à la fin de la location ou quand vous vérifiez votre véhicule vous-même parce que vous avez le temps de passer entre locations. Et dans ce cas-là, du coup, c'est à vous de déclarer le sinistre. Soit en fait quand vous rencontrez des locataires. Donc, vous découvrez directement le dommage en fin de location parce que c'est vous qui récupérez les véhicules et récupérez les clés à la fin de location. Donc, maintenant, vous avez découvert qu'il y avait un dommage. Donc, quelles sont les prochaines étapes à suivre? Donc, en premier temps, du coup, vous allez sur votre compte, vous allez sur la page de vos locations. Sur la page de vos locations, vous avez possibilité de voir toutes vos locations terminées et tous vos locataires. Ensuite, vous choisissez une location en question où vous avez découvert ou le locataire a découvert le sinistre. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, vous avez un lien pour notamment déclarer un sinistre courant de location. Donc, effectivement, pour le délai de déclaration, c'est 5 jours. Donc,
c'est le fait sur lequel on veut vraiment accentuer votre attention, c'est le délai qui est lié à notre assurance. Donc, vous avez vraiment 5 jours après la fin de votre location pour déclarer votre sinistre. Donc, vous avez, en fonction de vos contrats, ça va être, le procédure va être un peu différent. Parce que donc les premières étapes, c'est toujours de déclarer soit le véhicule est en état de rouler ou non. Vraiment, il faudra décrire d'une manière très détaillée le dommage, parce que c'est ces détails-là qui nous permettront d'évaluer votre situation. Ensuite, vous préciser les circonstances de dommage et rajouter l'ensemble de documents nécessaires. Donc, faites attention, c'est ce qui est un petit conseil, vraiment un dossier qui est très complet, il va accélérer le processus de traitement. Donc, plus vous joignez tous les documents, si vous allez joindre tous les documents dont vous disposez au premier envoi, vraiment au moment de la déclaration du sinistre, donc le constat de dommage qui est signé, contrat de location, carte grise, l'ensemble de photos, ça vraiment, ça va permettre d'accélérer la prise en charge de votre demande. Et donc, quand la location est faite avec la technologie Connect, nous, de notre côté, nous avons l'accès aux photos au début et à la fin de la location. Donc, vous n'avez pas à les joindre. Par contre, si votre location est faite en rencontrant votre locataire avec le contrat papier ou le contrat mobile, c'est par exemple avec le contrat papier, c'est vous qui vous prenez les photos sur votre téléphone. Et sur le contrat mobile, c'est vous prenez les photos sur l'application, mais nous, on n'a pas l'accès. Donc, c'est très important que vous les joigniez courant votre déclaration sur notre site. Merci Alex. Du coup, pour l'ouverture du sinistre, juste pour que vous sachiez comment tout se passe dans tous les détails, donc une fois que vous nous avez envoyé votre déclaration de sinistre, notre équipe sinistre à Paris va la réceptionner et l'ouvrir. Donc on ouvre toutes les déclarations dans les 48 heures. Sachant que la majorité de ces déclarations sont ouvertes dans les 24 heures, mais vu que ce n'est pas 100%, on préfère dire 48 heures. Donc, première étape, notre équipe vérifie les documents. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vérifier votre carte verte, que vous étiez bien assuré hors location, la carte grise du véhicule, qu'elle est bien à votre nom, et si elle n'est pas à votre nom, que vous avez bien le droit de louer la voiture de quelqu'un d'autre. Pour les contrats qui ne sont pas connectés, donc avec la remise des clés, on va vous demander le contrat de location, le permis du locataire, etc., comme Alexandra l'a expliqué. Pour Connect, on vous demande que carte grise, carte verte, parce qu'on a accès au reste. Ensuite, l'équipe va investiguer. Donc, ils vont vérifier vos photos des dommages. Donc, ils vont essayer de voir de quel dommage on parle. On va donc pour Connect, on va regarder les photos de début et de fin de location. On va constater si le dommage a bien été fait pendant cette location ou c'était peut-être la location d'avant. Donc, dans ces cas-là, on peut décaler le sinistre sur la location d'avant si on est bien dans les bons délais. Donc, il y a une petite investigation un peu plus complexe sur Connect, mais pour les contrats avec remise de clés, c'est un peu plus simple. Vu que vous rencontrez le locataire, en général, il n'y a pas de débat. Vous remplissez le constat de dommage avec lui en fin de location. Vous avez pris la photo à la fin de location et surtout à la fin, pour la fin du contrat de location, il faut bien cocher y a-t-il un dommage? Oui, et écrire du coup le dommage et comme ça fait acquiescer le locataire de ce dommage. Donc dans ces cas-là, nous on a beaucoup moins de mal, enfin beaucoup moins de mal. Je dis pas qu'on a du mal avec Connect, mais avec Connect vous vous rencontrez pas, donc c'est une vraie investigation de regarder les photos, de regarder les anciens location, etc. Et ensuite, du coup, une fois que l'investigation est faite, c'est bon, le dommage est bien survenu pendant cette location, on va prendre une décision sur le choix de la procédure en fonction du type de dommage. Donc, en fonction du type de dommage, pour les petits dommages, donc les petits dommages, c'est ce qu'on estime coûter moins que la franchise du locataire. Donc pour ces dommages-là, et bien sûr quand il n'y a pas de tiers, parce que quand il y a un tiers, même si c'est un petit dommage, on doit le déclarer à l'assurance. Mais donc là, on parle vraiment de petites choses, voilà, de rayures, de choses comme ça.
GetAround, du coup, va envoyer les photos des dommages à Dekra. Donc, Dekra, c'est notre partenaire. Ils sont experts en... en automobile. Donc, ils sont des experts auto qui chiffrent le montant des réparations. Et pour nous, du coup, ils font des rapports estimatifs basés sur les photos des dommages. Donc, on leur transfère automatiquement via notre système. Ça arrive direct dans leur système et donc c'est très rapide. Vu que tout est électronique, eux, ils établissent les rapports en moins de 4 heures. Donc, on a très rapidement le rapport et on peut très rapidement vous indemniser sur la base de ce rapport. Donc, en gros, vous nous déclarez, on vérifie le dossier, on envoie à Dekra, Dekra nous envoie le rapport, on vous règle sur ce rapport. Donc, ces dossiers sont très rapides. En général, ils sont clôturés en moins de 5 jours. Et voilà, c'est le meilleur des cas, on va dire. Ensuite, pour la procédure des dommages plus importants, avec ou sans tiers, du coup, ça va aller chez AXA, notre assureur. Donc, les dommages plus importants, ce seraient les dommages qui coûtent plus que la franchise, parce qu'en effet, du coup, AXA devra intervenir pour ce qui est au-dessus de la franchise. Dans ces cas-là, on a deux cas de figure. Soit vous voulez faire réparer, parce que il y a plus de pare-chocs, donc il faut faire réparer. Donc, dans ces cas-là, on va déclarer à AXA. AXA va vous contacter pour confirmer quel garage vous voulez utiliser, confirmer la date de l'expertise, etc. Donc voilà, vous allez faire votre petite tambouille avec eux. Et ensuite, AXA donc, fait réaliser l'expertise, organise les réparations avec vous, etc. Et donc, une fois les réparations faites, on va vous indemniser. Donc, vous aurez deux virements séparés. Un de notre part pour la franchise du locataire qu'on va vous donner et un de la part d'AXA qui va vous régler le surplus au-dessus de la franchise. Ensuite, deuxième option, c'est un dommage important mais qui ne nécessite pas une réparation immédiate. C'est-à-dire que le pare-choc ou l'aile est enfoncé mais le véhicule roule en toute sécurité, donc vous préférez encaisser un peu plus de location avant de bloquer votre véhicule pour les réparations, ce qui est tout à fait possible tant que ça ne touche pas à la sécurité du véhicule et tant que vous faites les réparations à un moment. Parce qu'une aile enfoncée, ce n'est pas très sympa pour les nouveaux locataires. Donc, vous pouvez choisir de ne pas faire réparer. Et dans ce cas, on peut vous faire un système d'indemnisation. Donc, AXA, pareil, va vous contacter et va vous proposer de faire une expertise pour estimer le montant des réparations. Et cette estimation, elle aura un taux de main-d'œuvre minoré à 20 euros de l'heure. Donc, c'est minoré, c'est un taux imposé. Toutes les assurances appliquent ce taux-là. Et dans ces cas-là, du coup, vous allez être réglé sur ce montant. Et comme ça, vous touchez ce pécule sans avoir à réparer. Et si jamais vous décidez de faire réparer dans les 2 mois, pas de problème, vous recontactez AXA et eux vous verseront le delta du taux de main-d'œuvre. Donc, les 20 euros peuvent faire peur à premier lieu, mais c'est seulement parce que c'est pour une indemnisation où vous ne feriez pas réparer. Si vous faites réparer par la suite, dans les 2 mois, vous touchez bien le montant total des réparations. Pour le règlement, pareil, GetAround vous règle la franchise du locataire, AXA vous règle ce qu'il y a au-dessus. Ensuite, pour le suivi de vos sinistres, donc là, vous avez un super tableau de gestion de sinistres. Donc, si vous allez sur votre profil dans Mes locations, vous avez un bouton incident, donc là où il y a le petit 1. Et ensuite, sur la partie bas de la page, vous avez un exemple de tableau d'incident, donc avec le rappel de votre voiture, le statut du sinistre en cours et la date à laquelle vous avez déclaré. Et ensuite, une fois que vous cliquez sur votre sinistre, vous arrivez sur cette page de suivi de sinistre où vous avez accès au statut du sinistre avec une petite explication de ce qui se passe et de l'explication du statut en gros. Ensuite, besoin d'aide, vous pouvez nous contacter directement depuis cette page.
Vous avez, donc là, j'ai pris un exemple de sinistre qui est bientôt terminé. Donc, on a le tableau compensation avec le montant que vous avez touché pour ce sinistre. Donc, dans ce cas-là, c'est 900 euros. Donc, c'est la franchise du locataire. Vous avez accès au reçu de paiement. Donc, ça, c'est pour votre information. Et ensuite, on a un tableau des documents. Donc, ça, c'est les documents que vous nous avez transmis ou que nous, on a ajoutés au dossier. Par exemple, le rapport d'ECRA ou le rapport AXA, ce genre de choses. Et ensuite, vous avez la photo du dommage. Toujours pratique, si jamais vous avez deux sinistres en cours, ben, vous pouvez voir duquel on parle sur cette page. Enfin, pour la clôture de votre sinistre, comme je disais précédemment, il y aura, donc en général, il y a un virement si c'est seulement un petit dommage et votre locataire n'a pas souscrit à une réduction de franchise. Dans ces cas-là, c'est seulement Gatherand qui va vous rembourser. Si par contre, votre locataire a souscrit à une réduction de franchise, ou que le dommage a été dans tous les cas déclaré à AXA parce que c'est un important dommage où il y a un tiers, là vous aurez deux virements, un de Gatherand et un d'AXA. Et en plus, le bonus, c'est que nous vous verserons une compensation de 25 euros pour le temps passé que vous avez, enfin pour le temps que vous avez passé à gérer ce sinistre. Voilà pour la présentation. Je crois qu'on a terminé, Alexandra. Oui, je pense qu'on est arrivé à la fin. Donc, je pense maintenant on pourra reprendre tous ensemble vos questions un par un et commencer à y répondre. Si jamais on n'a pas le temps pendant le temps dédié, on va remettre l'ensemble de vos questions sur notre blog. Donc, on va préparer les pages de questions-réponses sur le blog. Et comme ça, vous allez avoir toutes les réponses par écrit et on va vous envoyer, on va vous envoyer à la fin de notre webinaire. Donc, en reprenant vos questions, du coup, depuis le début, je pense une des premières questions, c'était les questions de Martin. Il semblait qu'il comprendre que nous, on a une offre d'assurance pour les particuliers. Donc, pour vous répondre, Martin, effectivement, on a une offre d'assurance pour vous à l'extérieur de Gatherand, donc du coup, pour votre propre assurance pour les particuliers. Donc, notre assureur AXA propose via le courtier AON, donc une offre d'assurance. Et cette offre d'assurance, sur mesure, elle a de 3 points forts. Donc, vous pourrez profiter d'une offre faible kilométrage, qui est donc moins chère, du 20 km réalisé pendant la location. Donc, vous bénéficiez aussi d'une couverture haut de gamme qui sera modulable selon vos besoins. Et en plus, AXA est déjà un partenaire de Gatherand. Vous éviterez un peu tous les litiges avec votre assureur à vous. Je vais envoyer le lien pour une offre directement sur le chat pour ceux qui sont intéressés. Tous les cas, vous avez plutôt sur la page de Help Center, ensuite qui récapitule tous les avantages et qui a le lien pour derrière vous pouvoir explorer de votre côté. On pourra rajouter également ce lien dans le FAQ par la suite. Ensuite, parmi les autres questions, on regarde. Alors, il y avait une question de Franck sur laquelle je pourrais répondre également. Donc, est-il nécessaire d'assurer un tout risque quand on met un véhicule sur Gatherand? Non, vous n'êtes pas obligé de vous assurer à votre... avec votre propre assurance tout risque, vous pouvez vous assurer à tiers. Après, c'est vraiment votre choix à vous si vous préférez d'avoir une couverture plus haut de gamme pour votre propre véhicule qui potentiellement vous utilisez également dehors de location. C'est effectivement votre choix. Nous conseillons toujours juste de vérifier dans votre contrat d'assurance s'il n'y a pas d'interdiction d'avoir de mettre votre voiture en autopartage. Alors, et ensuite, parmi les questions, moi je peux répondre
également celui de Christophe, donc concernant le véhicule électrique. Ce n'est pas vraiment une question qui est liée au sinistre, c'est une question qui est liée à notre service client. Mais je peux vous expliquer comment font l'ensemble de nos propriétaires avec des véhicules électriques sur la plateforme. Généralement, on peut préciser dans vos conditions à vous combien on pourrait coûter le recharge si jamais le locataire, il ne ramène pas le véhicule avec le bon niveau de charge. Et ensuite, vous revenez vers nous pour que derrière, on peut gérer l'ensemble de situations. Mais vous devez être vraiment précis depuis le début sur les conditions et les frais que ça peut engendrer. Je pense, il y a quelques semaines, nous avons renvoyé également le guide. Comment on peut gérer différentes situations pour nos propriétaires des véhicules électriques. Donc, n'hésitez pas à le consulter également. Il y a un article de blog d'Idi, il me semble aussi. Ça me permet effectivement de mieux adresser ce type de situation. Margot, est-ce qu'il y a du coup des Oui. questions? Je peux reprendre la question de Xavier. Comment faire pour devenir réparateur partenaire de GetAround? Alors nous, on n'a pas de partenariat pour les réparations parce que c'est les propriétaires qui gèrent ça de leur côté et qui choisissent leur garage. Donc on n'a pas de partenariat avec des réparateurs pour le moment. Je peux prendre également la question de... Ah. Moindre, mais du coup je n'ai pas le prénom, désolé. L'assurance demande-t-elle le double des clés en cas de vol? Non, l'assurance ne le demande pas. Par contre, c'est une condition générale d'utilisation de GetAround d'avoir toujours deux jeux de clés, un pour le locataire et un pour vous en cas de perte des clés du locataire. Parce que dans ce cas-là, si le locataire, là ne parlons pas de vol, mais si le locataire perdait ses clés et que vous n'avez pas de double, dans ce cas, on serait obligé de refaire complètement, enfin tout, enfin c'est pas juste un changement de clé, ce serait carrément refaire des clés et dans ce cas-là, vous serez couvert qu'à 50% pour refaire les clés. Je peux prendre ensuite si le, donc la question d'Olivier, si le locataire prolonge la location sans autorisation. Donc ça, tout dépend. En fait, c'est de l'autopartage. Donc si vous êtes en contact avec le locataire et qu'il n'a pas fait la prolongation à temps parce qu'il est en retard, ou voilà, enfin, si vous sentez que c'est amiable entre vous, ben, à vous de voir en fait si ça vaut le coup de déposer plainte ou pas. Si par contre il ne vous prévient pas, que vous n'avez pas de nouvelles ou que vous avez refusé sa prolongation et qu'il a quand même gardé le véhicule, là il vaut mieux déposer plainte pour non-restitution, nous informer pour qu'on puisse également prendre le relais et contacter le locataire et insister sur le fait qu'il faut qu'il rende le véhicule, etc. Mais voilà, c'est considéré comme un non-retour de véhicule. Après, voilà, hein, dans la plupart des temps, du temps, il finit par rentrer et c'est plutôt une pénalité de retard ou une prolongation de location qui va être effectuée plutôt qu'une mise en place d'une procédure voilà. Ensuite, je peux prendre la question de Marco sur l'usure. Poignée d'utilitaire aussi. Donc, je suppose que vous parlez du cas où la poignée reste dans la main du locataire au moment où il ouvre la porte. Donc, pour toutes les questions d'usure en général, pas que la poignée d'utilitaire, on va regarder l'âge du véhicule. Si votre véhicule a 1 an et que la poignée se décroche, là, bien évidemment, on va considérer ça comme de la casse de la part du locataire et pas de l'usure, parce que votre véhicule est neuf, au bout d'un an, la poignée ne se casse pas par elle-même. Par contre, si votre véhicule a 8 ans, là, par contre, on peut appliquer la procédure d'usure parce que bah, c'est normal, enfin, à force d'utiliser, la poignée ne tient plus et doit être changée. Donc, c'est vraiment cas par cas. Il n'y a pas de procédure écrite pour chaque type de cas. C'est vraiment beaucoup de critères qui sont pris en compte. Et donc, voilà, comme l'âge, comme
Ouais, l'état global du véhicule, parce que l'âge, ça veut parfois rien dire. Parfois, le véhicule peut avoir que 3 ans, mais il a 200 000 km. Et donc, là, par exemple, il y a beaucoup plus d'usure sur ce genre de véhicule aussi. Donc, on regarde un peu plusieurs critères pour prendre la décision sur l'usure. Ensuite, la question d'Olivier sur la grêle. Alors, je suis un peu frustrée parce que j'ai eu le cas récemment, enfin récemment, au dernier épisode de grêle et je ne me souviens plus exactement de ce qui a été fait. Donc, je préfère vous donner la réponse par la suite. Il me semble que, donc, pas que sur la grêle, mais sur les événements climatiques comme ça. Enfin, ça, c'est pas il me semble, c'est je sais, pour les événements climatiques qui sont confirmés par les mairies, donc de catastrophes naturelles, ça, c'est bien couvert par l'assurance, mais il faut que la mairie ait fait un arrêté de catastrophe naturelle. Pour la grêle, j'ai un doute parce que là, on vient d'avoir le cas et ouais, je vous confirme ça par la suite. Ensuite. Donc la question de Santipab, les grosses rayures suite à un vandalisme fait avec une clé, par exemple. Donc ça, bien sûr, c'est couvert. C'est un sinistre basique. Donc c'est bien sûr couvert par l'assurance. Et ce sera soit envoyé à DECRA, soit envoyé à l'assurance en fonction de l'ampleur des rayures. La question d'Emmanuel sur la vétusté des pneus. Donc, y a-t-il une vétusté des pneus pour les pneus qui est appliquée, vétusté du type chiffrage par Veritas? Alors, nous, pour les pneus, en général, on demande des devis aux propriétaires. Donc, c'est nous, on n'applique pas pardon, de vétusté. On s'occupe vraiment que du devis. Par contre, si c'est un dossier qui est déclaré à l'assurance, parce qu'il n'y a pas que le pneu qui a été abîmé, c'est voilà, un choc avant-droit, et donc il y a le pare-choc, l'aile et le pneu qui sont à changer. L'assurance, eux, ils appliquent une vétusté parce que c'est leur procédure habituelle. Mais par contre, nous, si c'est juste changement de pneu suite à une crevaison, enfin pour le traitement interne, voilà, on ne va pas appliquer de vétusté. Si tu veux, Margot, je peux répondre à une autre question, du coup, qui est les questions de Fabien. Si on propose l'assurance flotte de véhicules pour les professionnels, donc oui, Fabien, on a une offre qui est dédiée, qui s'appelle l'assurance guitare d'entrepreneur, qui nous avons conçue spécialement pour nos propriétaires avec une flotte de véhicules. Donc, on pourrait souscrire à une assurance à l'année et avoir les garanties un peu tout risque à un prix avantageux. Si vous voulez avoir plus d'informations aussi en fonction de votre situation, combien de véhicules vous avez déjà ou planifiez acheter pour votre flotte, quelles sont les conditions exactes, je vous conseille de contacter notre service qui est dédié aux professionnels. Donc, je vais envoyer le mail qui est dans le chat. C'est vraiment que pour les assurances pour les professionnels. Donc, c'est entrepreneur@getaround.com. Donc, vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter cette adresse mail pour demander plus d'informations concernant l'assurance pour les pros. Alors, Margot, tu veux répondre à une autre question? Ouais, je peux reprendre la question de Romain. Le locataire est donc prélevé sur sa caution. Si oui, comment peut-on faire quand la caution a expiré? Donc, sa caution, en général, elle est d'un montant inférieur au montant de la franchise. Donc, c'est vraiment juste une caution sécuritaire pour nous, mais il se peut qu'on lui débite plus dans la limite de sa franchise. Donc, oui, on prélève sa caution plus ce qui reste si besoin.
Et si la caution a expiré, dans tous les cas, si le sinistre est tout OK, validé, l'investigation est OK, on va vous régler. Si le locataire n'a pas l'argent ou est insolvable, GetOrn avance les fonds dans tous les cas. Donc vous, vous n'avez pas à vous préoccuper de si le locataire a réglé sa caution ou pas, de si sa caution a expiré ou pas. GetOrn vous couvre dans tous les cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours le délai. Donc, vous devez déclarer votre sinistre dans les 5 jours. Si c'est le plus tôt c'est déclaré, le plus on va être sûr d'avoir encore la caution du locataire. Et ensuite, nous, on vous garantit les fonds pendant 2 mois après la fin de location. Donc, ça veut dire que tout le processus doit se faire dans les 2 mois. Et si le processus met plus longtemps, c'est-à-dire qu'on vous a demandé les documents et vous ne les avez pas envoyés dans les 2 mois, là on peut ne pas vous garantir les fonds si jamais le locataire est insolvable. Mais voilà, si le sinistre est bien déclaré dans les temps et qu'il n'y a pas de problème, GetOrn nous avance les fonds. Ensuite, je peux prendre la question de Emmanuel. Que se passe-t-il si le locataire est de mauvaise foi et ne veut pas signer? Donc ça, c'est pour les locations qui ne sont pas équipées du boîtier Connect où il y a une remise des clés. Donc dans ces cas-là, le conseil absolument, c'est de prendre la photo du dommage tout de suite au moment de la restitution du véhicule. Comme ça, nous, on aura la date et l'heure de la prise de la photo et on verra que vous l'avez prise en fin de location. Et si vous avez bien pris vos photos de début de location, il n'y aura pas de doute sur le fait que le dommage a été fait pendant la location. Donc, je vous conseille ici, toujours bien prendre les photos de début de location. En contrat mobile, vous êtes obligé de le faire dans tous les cas, mais il faut bien le faire. En contrat papier, vous n'êtes pas obligé vu que vous le faites par vous-même, etc. Mais enfin, bien sûr, vous êtes obligé, mais vous pouvez choisir de ne pas le faire, ce qui est une entrave du coup à nos règles. Donc, c'est très important, prendre les photos de début de location et si le locataire en fin de location ne veut pas signer, vous prenez les photos du dommage tout de suite. Comme ça, nous, avec la date et l'heure, on va pouvoir voir que vous l'avez bien pris à la fin de location et on va pouvoir vous indemniser malgré le fait qu'il n'ait pas voulu signer. Ensuite, je vois une question de Santipab. Pour les petits dommages, le locataire paye-t-il la franchise ? Oui. Pour les petits dommages, comme pour tout dommage, il a sa franchise, donc il va jusqu'à 900 euros. S'il choisit de réduire sa franchise à 250 euros ou à 0 euros, tant mieux pour lui. Mais sinon, oui, s'il n'a pas réduit sa franchise, il paye bien sa franchise. Après, vous pouvez toujours vous arranger à l'amiable avec des locataires quand c'est vraiment des petits dommages. Il peut soit vous faire un virement sur le moment, vous donner de l'argent en liquide, voilà, vous pouvez vous arranger. Par contre, si vous vous arrangez, du coup, sur le constat de dommage, il faudra noter que vous vous êtes arrangé et nous, par la suite, si l'arrangement ne marche pas, on ne pourra pas vous indemniser si vous nous avez dit que vous vous êtes arrangé. Donc, il faut bien être sûr qu'il vous donne l'argent sur le moment où voilà, que vous ayez confiance en ce locataire, parce que si finalement il ne vous rembourse pas et que vous nous aviez dit que c'est bon, je me suis arrangé à l'amiable, vous pouvez clôturer, là on ne pourra rien faire pour vous aider malheureusement. Ensuite, sous quel délai maximum AXA prend contact avec le loueur? C'est une question d'Ali. Normalement, AXA vous contacte dans les 48 heures après le jour où nous on leur a déclaré le sinistre. Donc, ils ont des délais vraiment à respecter et en général, ils sont à 100% de respect de leur KPI. La deuxième question d'Ali sur les 20 euros TTC ou hors taxe pour le taux minoré. Bonne question. Pour moi, c'est hors taxe. On vous confirme ça, mais pour moi c'est 20 euros hors taxe. Ensuite, la question de Benjamin sur les montants indemnisés qui seraient imposables ou non. Bien sûr, ils ne sont pas imposables. Nous, dans les revenus qu'on
partage avec l'administration publique. On ne partage pas vos remboursements sinistres parce que ce ne sont pas des revenus, ce sont des remboursements. Et il y a une facture à l'appui, etc. Donc, non, pas de problème. Et question de Santipab, quel est le rôle de la caution? Donc, la caution, c'est vraiment pour Getaround, c'est vraiment pour nous, pour avoir au moins ça en cas de pépin après l'allocation. Ce n'est pas forcément pour des sinistres, mais c'est par exemple s'il y a des ajustements carburant ou des ajustements de location ou des infractions. Les infractions, elles arrivent après la fin de location. Donc, pour tout type de frais qui surviennent après une location, la caution nous sert à nous servir pour ces montants-là. Et en cas de sinistre, bon, bah, bien évidemment. Mais c'est vraiment pour nous. Vous, elle ne vous concerne pas puisque je vous ai dit que Getaround nous avance les fonds dans tous les cas, même si la caution n'est plus là. Voilà, le rôle de caution, c'est vraiment pour nous d'avoir au moins cet argent-là sur l'argent que le locataire va devoir à la plateforme. Je ne sais pas si Alex ou Mathieu, vous avez à ajouter là-dessus. Non, je pense que c'était très complet, surtout pour un... Oui. Je suis d'accord. Oui. Je peux reprendre peut-être les questions de Franzo concernant le refus de Mercedes sur la plateforme. En fait, c'est pas pour rassurer aussi les autres, c'est pas le cas. On refuse pas de prendre toutes les Mercedes sur la plateforme, mais effectivement, pour certains modèles de Mercedes, on les prend pas, qui est lié notamment aux collisions d'assurance, il est lié du coup à la fois à la puissance fiscale d'une véhicule et à la fois des valeurs. Donc, pour les véhicules qui sont immatriculés en France, ils doivent, suivant nos conditions, ils doivent avoir la puissance fiscale de moins de 14 chevaux et avoir la valeur de moins de 50 000 euros. Donc, c'est effectivement lié à l'assurance, mais du coup, ça dépend du modèle de Mercedes. Il y a certains modèles de Mercedes qui coûtent moins cher, moins puissant, il y a certains qui coûtent plus. Dans ce cas-là, malheureusement, on ne peut pas les prendre sur la plateforme. Alors, je peux peut-être reprendre les deux dernières questions. La question d'Ahmed, est-ce qu'il y a un moyen pour avoir une voiture de remplacement en attendant le remboursement ou la réparation? Malheureusement, non pour les dossiers qui sont déclarés à notre assurance. Donc, AXA ne propose pas cette option. Par contre, si cette voiture est votre voiture personnelle que vous louez occasionnellement, qui n'est pas dédiée à la plateforme, du coup, nous, on peut le voir en regardant votre calendrier. Dans ces cas-là, nous, on peut vous proposer un crédit de location pour louer une voiture sur Getaround à 0 euro pendant les réparations. Ensuite, une question de Romain, et je pense que c'est la dernière. La personne qui est venue récupérer la voiture n'est pas la même que celle qui devait venir. Suis-je assurée en cas de problème? Donc là, pareil, c'est une location avec remise des clés, je suppose, dont vous parlez. Et dans ce cas, si vous avez bien fait toutes les démarches en début de location et qu'il n'y avait pas de conducteur secondaire au début de la location, donc il ne vous a pas déclaré qu'une deuxième personne conduirait le véhicule, vous, dans tous les cas, vous êtes assuré. C'est par contre lui, le locataire, qui ne sera pas assuré si jamais il a un accident pendant la location. Ce qui veut dire que il n'aura pas de franchise, il aura le montant total des réparations à sa charge. Donc ça, vous, si vous avez bien fait les vérifications en début de location et qu'il ne vous a pas déclaré de conducteur secondaire, mais que pendant la location, il fait conduire quelqu'un d'autre et qu'il lui arrive quelque chose, vous êtes couvert, vous inquiétez pas, c'est lui qui risque d'avoir des petits soucis. Lui ou elle. Voilà. Est-ce qu'on est bon, Alexandra et Mathieu? Dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas eu les réponses,
réponses parce qu'on approche, on s'approche à la fin du webinaire. Vous inquiétez pas, nous, on va regarder l'ensemble des questions. On va préparer les réponses par écrit également et on va les partager avec vous dans quelques jours, peut-être pas de suite, mais oui, dans quelques jours, vous allez avoir l'ensemble des réponses pour ceux qui n'ont pas encore eu les réponses pour certaines questions. Donc, merci. Pardon, je me permets juste d'ajouter une dernière chose, Alex. Pour celles et ceux qui veulent rejoindre notre communauté de propriétaires sur Facebook, je vous partage le lien. Nous avons un groupe privé sur lequel vous pouvez échanger entre vous ou directement avec nous. Donc, on répond à vos questions ou d'autres propriétaires le font. Vous pouvez aussi nous faire des remontées et c'est franchement très, très utile pour nous. Donc, je vous partage le lien et libre à vous de nous rejoindre. Voilà, pardon Alex, je te rends la parole. Non, c'est pas grave. Super. Bah, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir trouvé le temps de nous rejoindre. Donc, le webinaire sera accessible en vidéo, en replay, donc on va vous envoyer à la fin, du coup, une fois que l'article avec l'ensemble de réponses sera prêt également. Mais le replay, dans tous les cas, vous pouvez regarder en soi à partir de la fin de cette présentation. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir.